Tous les danseurs étaient séparés des gens qui faisaient partie de la paroisse depuis 30 ans. C'était la première fois qu'on entendait parler de la façon dont les fidèles de Shekinah étaient traités. Ça m'a fait l'effet d'un électrochoc, parce que je me suis rendu compte que j'étais peut-être en danger. C'est à ce moment-là que Concrete, Kylie et moi avons commencé à discuter. Il a suffi que l'un d'entre nous raconte ce qui lui était arrivé pour encourager les autres à parler. Tout le monde avait vécu des moments difficiles et personne n'en avait jamais parlé. Oui, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait tous assisté à des trucs bizarres dans cet endroit. J'avais du mal à en croire mes oreilles. Il y avait tellement de témoignages. Comment ils avaient pu subir ça sans que je m'en rende compte? À ce moment-là, Robert nous demandait de poster dès qu'on sortait, dès qu'on allait quelque part avec nos proches. Il nous disait « Montrez aux gens que tout va bien ». Bizarre, non? Il ne nous avait jamais demandé ça. C'est là qu'on a tous compris que c'était une secte. Et alors, on fait quoi maintenant?